Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec un micro saturé. Ah, ça a pas recommencé ces conneries là. Est-ce que c'est bon là? Ah, je sais pas trop. Enfin bref, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Salut Devil, salut Riku, bienvenue à vous. Merci à vous, merci. Merci, merci le micro. C'est un peu bizarre parce que ça monte dans les rouges quand même. Enfin bref. Allez les rouges, allez les bleus. Donc honnêtement, Bibi300 qui regarde le handball aux Jeux Olympiques au lieu de regarder le L4, c'est assez énorme, je dois dire. Salut. Salut Twif, bienvenue à toi. La millième vidéo. Eh oui, aujourd'hui, la millième vidéo sur YouTube. C'est à la fois beaucoup et à la fois... ça peut paraître peu en 15 ans de vidéo, mais encore une fois, j'explique, hein, merci, merci. Merci les gens. J'explique dans le... Si, je suis là en fufu, énorme. Salut à toi, Bibi. Excellent, le Bibi qui regarde deux trucs à la fois, je m'en suis douté, hein, t'inquiète pas. Mais, ouais, honnêtement, j'explique plein de trucs dans la vidéo. Elle fait genre 45 minutes. Et pendant 15 minutes, je parle de... Salut Kaiser, bienvenue à toi. Je parle de beaucoup de choses. Hein. Je parle de choses et d'autres, de ce qui nous attend. Et je pense que je soulève des points intéressants. Mais il n'y a que moi, hein, si ça se trouve, qui pense ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Hein, même si vous êtes en retard de 700 vidéos. N'hésitez pas à quand même regarder cette millième vidéo. Je pense qu'elle est relativement importante, c'est un espèce de semi-événement quand même, hein. Je parle de certaines choses. Il n'y a pas grand-chose d'inédit, hein, mais rien de trop important, je suppose. Mais quand même, malgré tout, je pense que ça peut être l'occasion de parler de... l'occasion de parler de choses inhabituelles et ce genre de trucs, donc voilà. Merci, merci Bibi. Ça aussi, je m'y attendais, hein, t'inquiète pas. Merci à toi. D'ailleurs, Bibi, je me permets de te rappeler ce que tu dois faire, salaud. J'attends encore, hein, que je t'ai demandé sur Twitter. Non mais voilà, il y a des bonnes choses qui vont arriver, comme vous le savez. J'ai d'ores et déjà fait des acquisitions. Putain, mais c'est incroyable! Regardez, il fait soleil! Il fait super beau aujourd'hui! Alors qu'on a un mois d'août pourri! Un mois d'août merdique! Il fait moche! Tout le temps, là, tout le mois d'août. T'inquiète. Il fait super moche pendant tout le mois d'août. On a une dépression. Et là, je dois faire du tournage. Hein. Je dois... Bon, ça peut attendre. Hein. Mais j'attends désespérément qu'il fasse beau, qu'il fasse clair, hein, qu'il fasse soleil. Parce que oui, je m'en suis rendu compte, ça fait vraiment une différence. Hein. Sinon, la qualité est pourrie, mais vraiment. Et j'attends désespérément, et là, aujourd'hui, comme... Ah, il fait moche, quand même. Mais ça arrête pas de disparaître, apparaître, c'est ridicule, quoi. Les nuages, tout ça, enfin bref. Le soleil s'est déplacé, c'est ça. Notre rayon de soleil, merci, merci. Enfin bref. C'est... J'ai pas eu le temps de la finir, faut que je remate le matin. T'inquiète, t'inquiète. Merci à vous. En tout cas, j'en profite pour vous remercier. Hein, de toute façon, vous le verrez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la millième, mais merci de votre fidélité après 15 ans, ou même après 10 ans, ou après 5 ans, après 2 ans. Voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est costaud. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la millième, mais honnêtement, merci à vous. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que... Ouais, il fait beau, faut le dire vite, hein. C'est quand même dingue, hein. Enfin bref, d'après certains experts, les experts Miami, les spécialistes de la météo et tout ça, attention, eh bien, apparemment le 15 août, ce sera le pic de chaleur. Alors est-ce que ça veut dire que qu'il fera beau? Pas forcément, hein. Il peut faire chaud et moche, hein, en même temps, donc je vais guetter, hein, le 15 août. C'est un quoi déjà? Un jeudi, non? Non, un dimanche. Je les mettrai les dimanches. C'est dimanche de la semaine prochaine. Faudra guetter, hein, le 15 août. Et sinon, début septembre, apparemment, peut-être qu'il fera relativement beau.
d'après les experts de la météo, tout ça. Donc, mais là, tout le mois d'août, ça va être incroyable. Merci, merci. Encore arrivé, merci de... C'est ça. Ça alterne entre soleil et... Ah ouais, quand même. C'est dingue, quand même. C'est un orage se prépare. Attention. Bon, bref, écoutez, on va commencer avec Dark Souls 3. Et oui, comme ça, on aura fait les 3. On les aura tous faits, ou presque. On avait fait le 1 et le 2. Chaleur à faire fondre des passes sanitaires, c'est ça. Et là, on va faire le 3. Écoutez, comme ça, on aura fait le début des 3. On pourra comparer. On est au courant de... on pourra dire quel est le plus dur. Ou celui sur lequel je me serais le mieux démerdé, entre guillemets. Mais j'ai préféré... On devait le faire à un moment ou à un autre. J'ai préféré le faire maintenant, parce que décembre, mi-décembre a priori, il y aura encore autre chose hein, concernant le Dark Souls. Hein. Et quelque chose que peu de gens connaissent. Hein. Alors que pourtant, c'est vraiment Dark Souls. Hein. Et quelque chose que très peu de gens connaissent. Hein. Le L4 vous hype, t'as vu? Attention, exclu mondial. Le plus dur, c'est toujours le premier que tu fais. Exclu international pour le L4, vous verrez. Donc voilà, pour pas que ça fasse trop doublon, j'ai préféré faire celui-là, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah, bien joué. J'ai préféré le faire maintenant en août. Et non pas en Caput. Maréchal Caput. Bon, ben voilà, c'est bien. Là. Alors, est-ce que c'est bon, la manette? Regardez ma main, ma manette. Alors, attendez, on a un petit problème de manette, là, j'ai l'impression. Donc, c'est le dernier en date, hein. Et vraiment des Dark Souls purs, quoi. C'est de la folie pure, voyons. Si, c'est bon, ça marche. Hein, normalement, au niveau de la config et tout, on est bon, hein, j'ai vérifié. Je crois qu'il y a les sous-titres. Vibration, c'est désactivé, a priori. Tu vois, ATH, tout ça. Apparemment, on est bon, hein, y a pas de problème. Oui, désactivé. Tu vois. Paramètres, haut. Je pense que ça suffit. Hein. Allez, on y va. Donc, on va bien voir ce que ça donne, hein, tu sais quoi. Comparé au 1 et au 2. Le main theme 2000 heures sur Dark Souls 3! Ah ouais, quand même! Incroyable! Je savais à qui demander pour le... Je suis chaud pour t'aider! Le seul que j'ai pas encore fait. Et risque de spoil, là, s'il faut. Quelques pépites, ce jeu. Justement, je commence bientôt, probablement la semaine prochaine. On est en mode... En mode bossu. Julien en PLS. Bonasse pour changer. Oh, ok, allez, on y va, sinon on n'a pas fini. Mais on le verra pas avec le... Avec le casque. Ce qui est bien, c'est que ça change rien. On peut même changer l'âge, tu vois. Bon, le nom, comme d'habitude. Hein. Clash Chevalier, je pense, oui. Ah, il y a tout ça. Ligue funèbre. Tu peux choisir aucune. C'est quoi l'intérêt? Ouais. Ah, oh putain, énorme. On dirait... On dirait Yennefer. Non, on dirait quelqu'un. Je sais pas qui, mais... Morphologie, apparence. On dirait Miyun. Putain, c'est quoi ces têtes? Roturière, c'est un peu mieux. Mais t'es sûr que je peux pas changer? Changer mieux que ça, là? Je peux pas faire le truc personnalisé. Sérieux? Oh putain! En mode anorexique. C'est un petit peu abusé, je dois dire. Grosse tête. Ah si, voilà. Physique, détail. Pilosité. Tête, petit, grand, hanche, couleur de base. Y a pas aléatoire. Dans apparence, ok. Tu peux personnaliser tout. On a pris un mur, c'est ça. Un monstre, c'est psychologique. 72 000 contributions en collab avec les gens du live. Ah ouais, quand même. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas aléatoire. Tu vois, je vais changer ne serait-ce que... âge apparent. Je vais changer ne serait-ce que les yeux. Je vais mettre vert.
Bah, vite fait, hein. Attends, comme ça, là, personnalisé. Ça, c'est pas mal, ça, pour le coup. D'ailleurs, tu vois, t'as des trucs prédéfinis, ici, là. Bleu, rouge, jaune, tout ça, là, tu vois. Rouge et jaune à petits pois. Et en bas, t'as full vert. Ouais, je suis full vert. Couleur inhabituelle dans WoW. Et tu vois, c'est mieux, hein, pour le coup. Alors, le vert que j'aime bien, c'est... C'est pas dégueulasse, comme ça, je dirais. Sinon, tu peux en faire un bleu et un vert, hein, je suppose. Et il y a un truc que je voulais changer, c'est... Pas les cheveux. Pas les cheveux, pas les cheveux! Elle est pas mal, hein, d'ores et déjà, tu sais quoi? Replatiner des S3. Tu veux rencontrer le premier boss dans les 40 minutes, ne perds pas trop de temps. D'accord, ok. Allez, je voulais mettre... Ouais, tant pis. Allez, on va se mettre comme cholo. Terminé création. Ok, allez, c'est parti. Dans normal, j'aurais changé plus de choses. Je voulais la mettre rousse, mais... Et non pas la rousseau, mais on y va, sinon... Vous comprenez pourquoi je perds jamais trop de temps dans les créations de perso. Je veux qu'on y aille vite. Je compte le replatiner, vu que j'ai jamais fait les DLC, ce sera l'occasion. Léa Passion mort. Ouais, quand même. Oula ! J'ai passé. Donc ça va être l'occasion, hein, de voir si je me souviens du 1, du 2. Déjà, c'est pas dégueulasse. C'est quoi ça, c'est un ennemi ? Ouah ! Oh, attention ! Ouah, attention ! One shot, ça commence. Pour l'instant, on s'est pas fait toucher, c'est déjà bien. Je m'attendais pas à rencontrer un ennemi dès le début. Mais il est encapuchonné, on dirait un PNJ. Oh merde, c'est quoi ça? Ouah. La physique, énorme. Ouah, attention! Fiole d'estus. Dans ce jeu, faut avoir les sens... Tiens, regarde. Faut avoir les sens sans arrêt en éveil. Hein. C'est un ennemi. Ouais, je pense, hein. Mais tu peux jamais savoir si c'est un PNJ ou un ennemi, quoi. Ok, ça c'est fait. Parce que si tu tues un PNJ, parce que tu peux tuer les PNJ hein, dans ce jeu. Et si tu tues un PNJ important, ben... Oh merde, deux! Ah, attention! Oh, il y en a trois! Allez, me toucher une fois déjà. Il est où l'archer, là? Le mage. Non pas le fromage. Oh putain, belle esquive. Allez, hop, deux coups, hein, il lui fallait. Je me suis déjà fait toucher une fois, ça commence, hein. On voit que j'ai joué un petit peu au 1 et au 2 quand même, hein, parce que sinon je serais déjà mort. Oh, le Mont Blanc, les Alpes. Les Alpes maritimes. Hey, salut Kankuro, bienvenue à toi! Salut! Le Kankuro arrive en scred! Un sondage si battre Jean-Claude. Oh putain. Bah, déjà, faudrait pas que je tombe dans le trou. Comment on court déjà? C'est un feu? Bien. Je vais me soigner, là. Succès déverrouillé, embrasé. Et non pas embrassé. La bonasse qui nous porte chance, hein, tu sais quoi. Bon, pour l'instant, je peux pas améliorer mes stats. Ça a fait repop les ennemis, mais on s'en fout, hein, ils sont derrière. Oh, c'est quoi, ça? Allez, ça commence. Prends sa saloperie. Je vais aller me soigner. Salaud, là. Il m'a touché 3-4 fois. Là, on n'est pas bon, là. Zut. Et tu vas voir qu'il va repop, l'ennemi, là. Tu vas voir que je vais pas y arriver, encore. Rond enfoncé. Merci, Kaiser. Salut, Aizen. Bienvenue à toi. Allez, hop, ça, c'est fait. Ok, c'est ça. Nickel. C'est la même que pour esquiver. Merci, Kaiser. Attention, il y en a deux. Ils sont déjà plus balèzes que les... Ah ! Que les premiers. Sinon, tu sais que t'as un bouclier, hein, Jackie. Voilà. Un coup. Une espèce d'estoc. L3 pour cibler. Voilà. Et L1 pour se protéger. Regarde. C'est pas mal, hein, le bouclier. Pas oublier, hein, pas négliger ce truc.
Dès le début, c'est pas évident du cassoulet quand même. Il y a beaucoup d'ennemis. Allez hop, tude. Je me suis pris des dégâts quand même. Ça te... Ah merde, c'est quoi ça? D'où il vient lui? Au moment où j'allais me gratter le pif là. Ah, un autre là. C'est vraiment fourbe hein, ce jeu. Ils arrivent tous, hein, tu peux y aller. Allô? Malgré mes branchements, j'ai pas internet. Un petit forfait pour avoir internet avec mon tel, une opératrice. Bien, bravo. Ok, pas de problème. Merci, Kankuro. Je m'attendais pas à te voir, tu sais quoi. Vis, sinon tu prendras toujours des coups dans le vent. Oui, j'ai cru remarquer que c'était pas... Donc il faut loquer, hein, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Faut appuyer sur L3 pour loquer les cibles. Je vous cache pas que j'ai peur de pas avoir internet sur cet appart. On va dire que le frère... Les branchements électriques énormes. Ok. Bah, j'espère que non, quand même. D'accord, ok, faut toujours le... Bah, de toute façon, c'est le boss, là, non? C'est lui, Jean-Claude? Si c'est le cas, je fais le... La prédiction. La prédiction des anciens se réalise. Est-ce que c'est lui, Jean-Claude? C'est le soldat Néochrome. Salut, Orosco, bienvenue à toi. J'ai cru que tu m'avais dit ça. Tape-le pendant l'épée anime. C'est là. Ok, d'accord. Allez. On est parti. Salut, Orosco, bienvenue à toi. On fait Dark Souls 3. T'avais remarqué, je suppose. Alors, attends. Attends, je vais faire une prédiction. Alors, prédiction, comment ça marche déjà? Allez, j'en ai fait qu'une, hein, il faut que je me rappelle. La prédiction des anciens se réalise. Comment c'est la prédiction? Alors, L4 va-t-il? Attendez, j'arrive pas à... Hé! Donner un nom à la prédiction. C'est quoi? T'avais dit, est-ce que je vais réussir à le battre? Bah oui, attends, il reste 23 minutes seulement. Pas battre first try, ça m'étonnerait quand même. Battre. Mais il s'appelle vraiment Jean-Claude? Et non. Période de prédiction. 2 minutes. Prédiction précédente. À le battre, on va bien y arriver quand même en 20 minutes, sinon c'est qu'on est vraiment... Sinon c'est qu'on est vraiment abruti quand même. Fermez la prédiction, allez c'est parti. Yosha! J'ai relancé DS2, quel délice! Allez on y va. Au fait Orosco, la semaine dernière, on avait fait Deadly Prémonition en live. Et oui, c'est assez énorme je dois dire. Et il y a 2 semaines, on avait fait Elex. Les deux jeux que t'aimes bien. Et les 2 fois t'étais pas là, c'est assez énorme. Alors attendez, L3 c'est ça? Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Toucher la tache de sang? Hein? C'est le Ouroboros de Resident Evil 5, c'est quoi ces conneries? Hein? On affronte le boss. C'est comment déjà pour utiliser les objets? C'est haut et bas? C'est ça? Ah, retirer l'épée. Je vais pouvoir l'utiliser. Pas si vite! Ça m'appartient. J'ai une autre arme là, non? Allez, ça y est, ça commence. Ça aura pas traîné, hein, le premier boss. Bah non, tu vois bien, c'est Yudex Gundir. Alors, est-ce qu'on va y arriver first try? Bah, là, je suis en mode lock. Hein. Effectivement, c'est un peu mieux quand même. Ah! Ah oui, la longe, oui, d'accord, ok. Allez, un petit deuxième. Bon, la jauge, ça se remplit relativement vite. On a connu pire, hein, pour l'instant. Pourquoi j'ai fait 2 roulades, c'est quoi ces conneries? Bon, ça va aller, là? Non, pas par là! Par là! C'est le courant qui nous entraîne! Level 4, elle a drisse dans le slip. Hein. Deadly, j'adore, mais Elex, il faut du courage pour le finir, c'est une semi-bouse! Énorme! Je m'attendais pas à ce que ce soit un RPG. Oh putain, deuxième forme! Non, c'est quoi? Mais putain! Ah, ok.
cru qu'il m'a eu bouffé. Ça, c'est complètement cheap, hein, par contre. Non, c'est quoi? Je me disais, c'était trop simple. Hein. Fatch! J'essaye de me soigner, hein, depuis tout à l'heure. On pourrait pas crever, s'il vous plaît. Mais putain! J'essaye de me soigner depuis tout à l'heure, là! C'est quelle touche, déjà? J'ai du brun, là. D'accord, carré pour les objets. Ok. Eh oui, taper le temps de l'épée. On est reparti comme dans... Comme dans Salt and Sanctuary. Ça y est, c'est parti. Bon, je vais essayer d'esquiver ces ennemis, là. Faut que je récupère mes âmes et tout, hein. C'est un petit peu abusé. Bien joué, le coup gratuit. Et j'ai pas à ramasser son épée, là. Salaud. Alors, où sont mes âmes? Non, faut tout recommencer. Rien que la première étape, c'était pas facile, hein. Ah, voilà mes âmes. Bande de salauds. Mais t'es sûr que je peux pas level up, là? Ah, c'est ça, l'épée? Dude! Mais j'essaye déjà de pas me faire toucher, hein. J'ai plus de mes couilles. Hein. J'essaye déjà de prioritiser. C'est pas facile à dire. Oh là là, ok, d'accord, bien joué. J'essaye de prioritiser le... Et hop. Ok, pendant que je me soigne, bien joué. De favoriser le fait de pas me prendre de dégâts, hein, un peu comme là. Là, je fais que du brun, par contre. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'appuie sur rond... Faut vraiment pas appuyer beaucoup. Il fait deux roulades, j'allais dire. Non, ce qu'il faut pas appuyer beaucoup. Hein. J'ai plus de mes couilles. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. La production des spermatozoïdes est... absorber un choc de temps en temps. Et compromise. Oh putain, ça y est, deuxième forme, bien joué. Je me suis déjà soigné deux fois. Pas suffisamment le bouclier, oh putain. Faut que j'y pense, hein. Je vais essayer, tu sais quoi. Ouais, un peu comme là. Oh, c'est quoi ça? On voit rien avec ce truc noir de brun, là. Allez, hop, dernier objet. Bonne chance. Non, mais franchement, il est prenable. On a connu largement pire. Hein. Ok. Mais j'ai du mal à voir ces attaques, là. Quoi, ce bordel, putain? Ah, ok. Effectivement, le bouclier, c'est un peu mieux, quand même. C'est épique. Et non pas pique, pique et collégramme. C'est bon, là? Il est dead? On l'a eu? Eh ben voilà. Succès verrouillé, Inex Guldir. Eh ben voilà! Succès verrouillé, éteint dans la flamme. L'épée, il la donne après, hein, bande de rapia. Et ben voilà, on a réussi. On a utilisé tous nos objets. Hein. On a un peu fait que du brin, c'est un miracle d'avoir réussi à le battre en jouant aussi mal, hein, quand même. Je pense que j'étais capable de faire largement mieux que ça, quand même. Mais au moins, on a réussi, c'est déjà ça. Et ben voilà. Merci, merci. L'épée n'est pas une arme. D'accord, merci. Oh non, mes points. Qui a répondu non? Par ici la monnaie. Merci d'avoir cru en moi, les gens. Mais c'était pas couru d'avance, hein, quand même. Je peux comprendre que vous ayez répondu non. Parce que honnêtement, c'était pas évident du cassoulet, surtout pour un profane. L'invasion des profanateurs. Merci pour les bits, Orozco. La récompense pour avoir battu le boss, ça c'est énorme. Merci à toi, Orozco. Ah, bah c'est déjà ça. On n'est pas totalement incompétent, quand même. Ah putain.
Du coup, ça a donné quoi? J'ai pas vu le... La prédiction. On en était à combien là? 75% de non, de oui. Ça sert à rien de miser sur le boss tuto, c'est pas le premier. Non! Merci de m'encourager. Merci de me remonter le moral. Donc du coup, le premier vrai boss, c'est... On va y arriver à votre avis? Il reste plus que 15 minutes. Hein. Ah! J'ai failli tomber dans le trou. Donc tu vois, ça c'est des PNJ, on est d'accord. C'est Volt. Le boss suivant, jamais il atteindra aujourd'hui. Ok. S'effondrer? Bonjour mademoiselle! Pourquoi je dois m'effondrer? Morte flamme. Morte couille. Ouais, bien, niveau supérieur. Voilà, touché. Bon, vu que c'est que le début du jeu, on fait que du brin, hein, au niveau des stats. Peu importe s'il faut monter la dextérité, parce que l'arme de ultime du jeu, il faut monter la dextérité et pas la force, tu vois ce que je veux dire? Tant pis, on va monter la force. Hein. Un petit peu de santé quand même, s'il vous plaît. Parce qu'on est un peu en mousse, je dois dire. Et c'est quoi pour encaisser les coups? C'est constitution, hein. Ah merde. Tu sais quoi, je vais monter ça, là. Je suis un peu que du brin, mais... Bien. J'ai monté une fois la force, une fois la constitution et une fois l'endurance. Et pourquoi s'effondrer? Il y a un mec là. Une émote effondrée. Pour arriver à Vort, faudrait que je speedrun à partir de là. Ouais, c'est clair. J'aime pas trop speedrun, donc... André, énorme. Pas besoin de dex, les armes ultimes, c'est les coups critiques, les saignements. D'accord. Ah, renforcer l'arme. 80. On peut pas la vendre, celle-là, là. Ça demande des fragments de titane. J'en ai zéro, hein, c'est ça. Pas besoin de réparer, a priori. Pour ces fioles d'estus, hein, pas de fragments. C'est marrant, ça. Ah bah bravo. Merde, j'ai pas mis DS3. Salaud. Merci Kankuro, t'as vu ce qui se passe quand t'es pas là? Personne pour le rappeler le L4 là. Salaud. Souls, hop. Voilà, c'est bon normalement. Merci Kankuro. Salaud. Dante la danseuse, la vallée boréale. Mais là, je suis un petit peu perdu là pour tout vous avouer. Je sais pas trop où je dois aller. Dex, c'est plutôt les armes légères. Dac, katana. Force, c'est les grosses épées. Hache, marteau. Ok. Toucher la taille. Timeline. Hein? Il faut que t'ailles au feu au milieu du sanctuaire. À côté. D'accord, ok. Bien, bravo. Je m'en suis douté un petit peu, mais vu que je voyais qu'il y avait que des taches de sang, je m'étais pas placé au bon endroit. Bien, bravo. Donc ça va être le hub, hein, c'est ça? Il y aura de plus en plus de gens. Et comme d'habitude, tu pourras choisir d'en tuer certains ou de les amener ici. Et si tu fais n'importe quoi, tu vas en amener un qui va tuer tout le monde, etc. Ah, là c'est sort. Grand mur de Lautric. Sanctuaire de Lichefeu. Ok. Tâche de sang, ça... Comment ils ont fait pour crever ici? En online. Ils se sont fait attaquer leur base. C'est le premier niveau. Et donc, bah pour vous, c'est lequel le meilleur? Oui, en tombant d'une hauteur aussi. C'est lequel le meilleur Dark Souls pour vous? C'est... celui-là, le 1, le 2... On en avait déjà parlé, hein, il me semble. Le L4 a une mémoire d'éléphant. Sekiro. C'était pas mal, hein, quand même, Sekiro. C'est vrai qu'on avait fait un petit peu que du brin avec la montagne, là. La montagne, ça vous gagne. Nioh, bien joué. Difficile à dire, je les aime tous.
Salut Rock Loris, bienvenue à toi! DS3, le 1, le reste Balek. Ah ouais, quand même! Bien. Boss de prince et armure de tueur de dragon. Bon, moi je voulais récupérer mes fioles, c'est déjà ça. Oula, c'est quoi ce bordel? Il y a eu des morts. Ça va! Ok, c'est quoi tout ça? 5 ennemis en même temps. Allez, ça y est, déjà je me fais toucher. J'étais en position de garde. Voilà, bien joué. C'est comme dans Yakuza, hein. Si t'es comme ça et que l'ennemi il est derrière, il te touche quand même, hein. Hein? Ils sont morts les autres là? Oh là, c'est quoi ce bordel? Le 4 tue les faibles, c'est assez énorme. C'est quoi ça? Aïe! Il y a une boule de feu là, c'est quoi ces conneries? C'est qui m'a tiré dessus là? Ah, c'est lui! Ouais, comment je fais pour l'atteindre? Où est Davidoff? Je devais l'attendre. Oula! Attention! Allez, ça c'est fait, par derrière. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Mais t'es protégé pourtant. Parce que j'avais plus l'endurance. Mais putain! Mais bordel! Bah dès le début, ça commence fort. Mais putain! Ça c'est le truc à éviter. Fais chier l'autre avec son truc là. Ok. Il s'arrête jamais d'attaquer ou Putain, quelle pourriture d'ennemis! J'ai perdu je sais pas combien d'objets à cause de lui là. Salut! T'as vu ça? Salut Mandrake, bienvenue à toi! Ah merde! Je me fais toucher encore, mais c'est incroyable! J'ai cru que j'étais safe! Oh putain, encore un autre là! Oh énorme! Là, pour une fois, c'est bien joué! T'as vu ça? Pour une fois, c'est bien joué. Bon, j'ai eu un pantalon. T'as vu ça? J'ai fait exprès de courir, hein, pour lui passer dans le dos et... Je l'ai eu. Alors, équipement, fort, le pantalon de brun, là. Jambière de chevalier, déserteur. C'est bien ou c'est pas bien, là? Durabilité 250. Plus 2. Fils 2. C'est quoi l'équilibre? Saignement, équilibre. Feu, magie, physique. Merci, merci. Le backstag est bien joué. Merci, merci. Les haches font des grands chocs à la barre d'endurance. Ouais, quand même. J'avais fait DS2, un run où je récupère absolument tous les objets. Je voulais faire pareil là, que le 3. Apparemment, il y a deux objets qu'on peut avoir que online. J'ai tout ramassé dans le DS3, c'est quoi les objets qui te manquent? Ce qui est rouge, ça baisse, et bleu, ça augmente. Ok, d'accord. Oui, bah oui, effectivement, c'est pas ouf. Merci pour l'info. Non pas merci pour la ninfo, comme d'hab. Ah, merde, impossible de ce côté. Bon, allez, je prends la dernière fiole. Putain. C'est pas la bonne opération du jour, ça, quand même. Non pas le point du jour. Là, faut assurer. Et en général, c'est à ce moment-là que... voilà. C'est un peu ça. Que tu te fails. Oh putain, c'est quoi ça? Le truc pas du tout... qui sort de nulle part, quoi. Il s'est mis en mode furie. Il est comme le boss. Il y a un espèce de système d'infecté. On va crever. J'ai été eu. Ah ouais, quand même. Ok. Mais je m'y attendais pas. Ils sont en mode infecté, là. C'est sorti de nulle part, cette transformation. C'est que des ennemis de brin que tu tues en un coup, là.
Ah, je suis ici maintenant. C'est bizarre parce que j'avais pas activé ce feu. Attends, je suis où là? Ah ouais, d'accord, ok, si, je vois où je suis. Il y avait un autre chemin, hein, par là-bas. Je vais vous dire où ils sont par là-bas. J'essaie de passer ces connards. Putain de salaud d'ennemi, là, t'as vu ça? Dude! Attention, 2 contre 1. Hein. Ça peut être clébard, là, je m'y attendais pas. Ah, fait chier ce mur. Ah, pas mal, vu les circonstances. Allez hop, ça c'est fait. Tu vends. Comment ça prend du truc? Une info, ce serait mieux. Ils l'ont fait exprès, hein, de mettre l'autre connard ici. Allez, les âmes, s'il vous plaît. J'ai presque envie de partir, en fait. Il a possédé l'autre con, là? Ah, merde, il m'a eu. Oh, attention! Allez, deuxième mort. Oh non, encore mort. Attends, je voulais esquiver. Salaud, va. On se fait bolos, hein, par lui. Il a tué. Incroyable. Simple trash mob, là, qui nous... Il nous détruit. Le serment à farmer. Allez, hop, un de moins. Salaud. Voilà, ah, merde, pas de backstab, là, c'est quoi ces conneries? Oui. Putain. Salut. Eh, c'est chaud, bordel. Aïe. Ça, c'est fait. Oh, je l'ai tué avant qu'il se transforme. What the fuck. Mort de rire. Un arc. Je l'ai tué avant qu'il se transforme, t'as vu ça? C'est normal, ça? Et mes âmes, elles sont où, là? Je les ai récupérées. Ah. 8. Bah oui, c'est bien, et maintenant? Effondré, ici. Je suis effondré. Pouvoir bander. J'ai préco-bandé, c'est ça. Hein? Y'a rien à faire ici. 92 FAR, y'a rien à faire. C'est quoi ce bordel? C'est le plus chiant, les récompenses sont graves, honnêtes. Je vais essayer l'autre côté. La chance, cette stat de PGM. Oula, c'est quoi ce bordel? Alors, est-ce que je peux... Hein? Y'en a un qui m'a fait sortir de mon feu. Il m'a attaqué pendant que je me reposais, salaud. Où te caches-tu, salaud? J'ai pas tout compris, pour tout vous avouer. Tu vois, je peux aller à plein d'endroits, hein. Je peux aller là... L'endroit que j'avais vu, c'était ici. Là. Du coup, eux, faut tous les tuer, hein, sinon ils vont se transformer s'il faut. Des zombies. Bombe incendiaire. On doit tous les tuer. Attention à lui, là, il m'inspire pas confiance. C'est les ennemis du début, ça. Ah merde, je me disais aussi. Ah, lui, il est plus balèze que les autres, hein, j'avais pas fait gaffe. Salaud. C'est vraiment fourbe, hein, ce jeu.
J'ai vu récemment une vidéo d'un mec qui one-shot des boss avec de la magie et un sort craqué. C'est pour ça qu'on joue pas mage. C'est pour pas se la jouer kikimou, tu vois ce que je veux dire. J'ai cru que lui, il allait se transformer. C'est pour y aller en mode honnête, tu vois. Ah, ça c'est fait. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui me tire de loin. Allez hop, un de moins. C'est pour y aller avec plus de difficulté, tu vois ce que je veux dire. Sinon, on roulerait sur le jeu. Allez hop, c'est quoi ce bordel, là? Les mobs explosifs, maintenant, c'est de mieux en mieux. Pourquoi ça m'a pété à la gueule, ce truc-là? Jumelles? Les jumelles Olsen. Ah, il est 40. Le sort âme résonante. Bon, bête, c'est quoi? Oh, j'avais pas fait gaffe! Un dragon! Il a été tué. Ils se sont repés de son cadavre. Quelqu'un est arrivé avant nous. Ils l'ont tué avant nous. Bon, bah écoute, on va changer de jeu, hein, tu sais quoi? Ok. Bah on n'a pas été trop dégueulasse, hein, tu sais quoi On n'a pas été trop mal, hein, moi je dis. On est mort comme un brin deux ou trois fois, mais... Mais ça aurait pu être pire, surtout pour un mec qui connaît pas... Qui connaît pas trop les... Non mais là il fait moche, hein, c'est abusé. Au début du live il faisait un peu beau quand même, mais là, là c'est pourri, hein, c'est à chier. C'est ça, qui est... ça le problème, c'est que c'est inconstant. Oublie pas de valider les présages. Ah oui, c'est vrai. Tu fais bien de me le dire, effectivement. Merci, merci, les gens. Alors, on fait prédiction. Eh hey, vous avez été 86 à répondre oui, quand même. Et 14 à répondre non. Choisir la réponse, ben, c'est oui. Terminé. Ça vous apprendra à avoir confiance en moi, la bande de salauds. Ok. Normalement, j'ai validé. Moi, c'est pas Jean. Et là, t'imagines, je mets bonne réponse, non. C'est l'inverse, du coup. Bien, bravo pour les points de chaîne. C'est énorme. C'est pas la question, mon défi, c'est d'avoir au moins un de chaque objet, quel qu'il soit. Salut K2M, bienvenue à toi. Moi, je faisais ça aussi, hein, dans certains autres jeux. Je voulais avoir un exemplaire de tous les objets qui existent. Peut-être FF7... Ce genre de truc, allez savoir. Je peux comprendre, hein, du coup. Même si c'est pas utile, même si c'est des objets de brin, c'est une question de principe, quoi. Tu veux avoir un objet de chaque, de l'inventaire. Mais c'est un sacré défi, quand même. Ça vous apprendra à avoir confiance en moi. Énorme. Bon, bah écoutez. On va se faire une petite pause, comme d'habitude. Je vais aller chercher de l'eau, moi, pendant ce temps-là. Parce que mine de rien, ça crève, hein, ce truc. Et je vous... On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de ce live tout en folie. Avec un jeu qui sera peut-être emblématique, allez savoir. Comme un autre qu'on avait fait à l'époque. Qui y ressemble, hein, a priori. Ça ressemble à Incredible Crisis. Eh oui, donc est-ce que ça va être aussi sympa? Je dois collectionner tout ce qu'il y a in-game. Bien. Ou est-ce que ce sera différent? Est-ce que ce sera pas le cas? J'en sais rien, on va voir. Mais ça vous laisse réfléchir à ce que ça peut être. Allez, à de suite. Ah, nous y voilà. Oui, j'ai cru remarquer que la différence de volume entre ma voix et la musique, elle est assez élevée. Hein. Donc pour ça, là, j'ai essayé de baisser un petit peu. Le Kankuro a surpris le L4 a surpris le Kankuro, c'est assez énorme. Bon alors, on va jouer à... Salaud, le micro. Apparemment, ça a l'air d'être bon. On va jouer à Bishi Bashi Spécial. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. J'ai vu ça dans un magazine papier, là, de l'époque, d'il y a 20 ans, tout ça.
console plus, tout ça, ils en parlaient. Et en fait, c'est un jeu qui... c'est un jeu qui ressemble à Incredible Crisis. Apparemment, c'est la même chose. Et il y a deux versions. Il y a deux jeux dans le Bishibashi spécial. C'est... t'as ultra... T'as super Bishibashi et hyper Bishibashi ou un truc du genre, on va voir. On va commencer par le super, je suppose. Et apparemment, c'est un jeu comme Incredible Crisis, hein. Donc avec des mini-jeux délurés, déjantés, ce genre de trucs. C'est aussi sur PlayStation. Donc bah écoutez, on va bien voir ce que ça donne, hein, ce truc. Incredible Crisis, on avait... C'était pas trop mal. On avait passé des bons moments sur le jeu. Donc là, bah écoute... Tu vas voir ce que tu vas voir. PSXE... Il est pas dans le même truc. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Non, je l'ai, j'en suis sûr. PCS... Mais! Qu'est-ce que t'en as foutu? Je l'ai mis dans le dossier PS2? C'est sûr que je l'ai, hein. Je l'ai lancé le truc, hein, pour vérifier. Les stations... Ah ben c'est là, il y a deux dossiers, là. Oui, il y a deux dossiers, hein. C'est ridicule, je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais bon. Dans des programmes EPSXE ISO. Ouais, bon, c'est du brun. Ah. On l'a toujours pas fini, je crois. Oui, c'est sûr. La CS coupe? En Pokémon? Attends. Attends! Alors, EPSXE, il est là. Normalement, je dois aller dans émulateur. PlayStation. PlayStation. Et voilà, c'est ce truc. Alors, attendez, je vais vous mettre le. Faut que je l'affiche ici, sinon vous risquez pas de voir grand-chose. Ah ben, c'est bon, normalement. Voilà. Oui, ben voilà, c'est bon, là. Ah! Voilà l'orage maintenant. Abusé. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, hein. T'as super Bishibashi et hyper Bishibashi. On va commencer par celui-là, hein, tu sais quoi. Oh, pourquoi on valide avec la touche carré? C'est quoi ces touches de brin encore là? Alors, faut que je lance ça là. C'est mieux là. Oups. Attendez, j'ai un problème de manette. Regardez ma main, ma manette! Attendez, attendez, attendez. Voir si j'essaye avec mes couilles là. C'est une ISO. Et si j'essaye avec celui-là, c'est pas mieux là? Oula! C'est Yannick Noah ou le Star Tennis qui a foutu la merde. Hein. En mode 20 000 FPS. La technique, hein, comme d'habitude. Hein. Salut Thomas, bienvenue à toi! Mais pourquoi on valide avec la touche carré? Je comprends pas là. Normalement, c'est la touche croix. Voilà, tu vois, Bishibashi Alone. On va faire ça, je pense. Et non pas Malone. Attendez, il y a un gros problème au niveau des touches là. Je vais devoir reconfigurer, c'est un petit peu naze. Manette. Alors, triangle. Bah si, c'est ça pourtant. Carré. Ah non. Croix. Rond. Start. Select L1. L... Ah non, je me suis trompé. Bien joué. L2. R1. R2. Ah, je sais pas pourquoi ça a changé, mais bon. Bon bah écoute, apparemment on est bon là. Donc Together, c'est pour y jouer à plusieurs, je suppose. Et Bishibashi Alone, c'est ce qu'on va faire. Ça va être le mode arcade. Ou je sais pas quoi. Time Trial, Select Game pour choisir celui que tu veux, je suppose. Et le Endurance Marathon, mais y a pas de mode histoire là, non? Oula, c'est quoi ce bordel? C'est épileptique là. Shoot the Tank. Y a pas de mode histoire là, apparemment. Oula, c'est en mode GTA, c'est quoi ces conneries? Tu vois, ça t'explique comment tu dois jouer. Un peu en mode Mario Party. Et tu peux tirer. Oh là là, vache, c'est en mode GTA ça. Accelerate avec triangle. Le Khalifa, il faut knock it down. Ready?
Putain, ça va être chaud. Je bourrine, hein. Bourrinos, bourrinos, bourrinos. Oh putain, je me fais bolos là. J'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est simple. À râler. J'ai rien compris. Déjà, fallait comprendre que ton adversaire c'était le bleu. Ah, c'est qu'un enchaînement de deux. Punch in Zeus number. C'est dommage ça, qu'il n'y a pas de mode histoire. Il faut un sur Kikli. Kikli, ah, énorme. Kikli est taignon. Ah oui, c'est bien, mais... C'est bien, mais... Tidoum. Move avec les flèches. Et input avec croix. Ah oui, mais faut faire quoi, là? 5, 5, 1... Mais c'est quoi ces trucs? Ok, il faut remettre... 1. Voilà, c'est super dur. 33. C'est pas évident. Oh, 9 x 6, ça fait combien? 6, 6, 12. 9 x 9, 9, 18. 116. Non. Putain, c'est chaud. 119. La façon de se déplacer, c'est compliqué. Faudra que je vous explique. 8. Tu peux te déplacer que de gauche à droite, mais pas... 6. Merde. Ah, mais tu vois, tout seul, ça a qu'un intérêt limité, là, pour le coup. Parce que tu vois pas tes résultats, tout ça. 54. Salut, c'était Twist, bienvenue à toi. Training Coins. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode histoire, là. Catch the coin with the box. Ah, c'est pas mal, ça. Mais tu vois, l'écran est séparé. Putain, c'est quoi cette jouabilité? L'écran est séparé en deux. Putain, la vache, comment ça réagit bizarrement. Ça réagit comme si c'était des grands. J'ai l'impression que je n'ai pas raté une seule. Ah, si. Ça, c'est les trucs de Miaous. Tu sais ce qu'il a sur la tête, là? C'est des pièces comme ça, là, qu'il a. Non, pas Aquila. Aquila, appel épervier. C'est quoi, ça? J'ai l'impression que j'ai fait le maximum. Hein. 9 x 6, tu prends le chiffre avant le 6. 5, tu ajoutes celui qui manque pour faire 9 égale 54. Bien. Comment ça, game over? Mais comment ça, game over? J'ai fait un truc de ouf! Il fallait pas ramasser la bombe, là? La lanterne de papier, fallait pas ramasser ça? On va essayer les autres modes, tu sais quoi. C'est quoi ce bordel? Game over, pourquoi on a... Pourquoi on a perdu, là? C'est ridicule. Blaster. Soda Race. Il fallait 300, t'as eu 298. Non! Incroyable. Ça va avec L2, R1, tout ça. Oh la vache, c'est bizarre. Hein. Et mais comment j'accélère? Avec R2. Ah, faut bourriner les touches. Faut appuyer sur toutes les touches. Ouah. Faut alterner toutes les touches. La DeLorean. Faut alterner, faut faire comme ça, là. C'est simple. Un peu bizarre, quand même. Mais ça passe vraiment du jeu super dur où ça joue à un poil de cul à celui où c'est super simple, hein, même si tu te foires pendant 5 secondes, comme celui-là. Oh putain, c'est quoi ce bordel? On dirait Dead or Alive Extreme 3, regarde. Le saut de... Merde, attendez! J'ai soif! C'est quoi les touches? Rond. Mais c'est quoi les touches? Je comprends rien du tout. Triangle. Rond. Putain, c'est quoi les touches? Attends, c'est la couleur des requins, là? Donc ça, c'est croix. Oui, c'est ça. Carré. Eh ben, saute! Qu'est-ce qu'elle fout? Bah non, c'est que croix pour... Ah, c'est rond! Merde! J'ai compris trop tard. Carré, c'est rose, et rond, c'est rouge. Bah oui, forcément, game over, tu m'étonnes. Est-ce que je peux reprendre, là, à celui-là? Ah non, il change. Ah, c'est dommage, j'avais compris, putain. Mais si, si, c'est la couleur des boutons de la manette, hein. Oh putain, c'est quoi, ça? Oh, un truc à la Monkey Ball. Bonne chance.
C'est ça, c'est les couleurs. La démonstration. Oh putain. Oh, cette jouabilité. J'ai 53 secondes pour y arriver, est-ce qu'on va y arriver? Là, tu fais pivoter le décor. T'as vu, c'est assez drôle quand même. Putain. Micro-machine. Putain, c'est dur, putain, comment tu veux aller vite avec ça, là? Il y a vraiment des jeux qui sont super durs, hein. Pourquoi je suis tombé, là? Il y en a qui sont super simples, mais il y en a d'autres... Comme celui-là, là, c'est pas évident, du cassoulet, quand même. T'as vu ça? Là, Incredible Crisis peut aller se rhabiller. Oh, merde! Je vais pas y arriver. C'est super dur, ce jeu de brin, là. Tut! Tut! Oh, et là, la ligne d'arrivée! Ah, la ligne d'arrivée était juste là! Salaud, va. Mais on s'est quand même qualifié. Bah, c'est bizarre. Le genre de jeu qui fait... Ah ouais, totalement. Tu contrôles la vitesse de la voiture. Alors, faut voir. Press the same color bouton. Attention, parce que là... à The Lowest. Allez, faut y aller. Rond, triangle, triangle, rond, triangle, triangle, rond, triangle, triangle, rond, triangle, ça, si tu te trompes, il se passe rien. Ça, y a pas de rose, on est d'accord, hein. Ça. Merde, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça bug, là? Triangle, triangle, rond, triangle, triangle. Je connais pas les touches. Merde. Allez vite encore, là. Ça. Nickel. Les derniers, c'était facile. Oh. Et c'est pas facile, hein. Mais y a pas carré. Y a pas le rose. Y en a que 3 sur 4. Putain, c'est pas évident du cassoulet, quand même. Un bel hommage au JO, c'est un petit peu ça, ouais. Jump fort. Mais t'as vu, il y en a plein, hein, des jeux. Super Meatball. Ouais. Comment on saute? Avec gauche? Hein? Pourquoi gauche et droite? Quoi? J'ai rien compris. Down, down. Super. Ah d'accord, ok. Oui, bah faut appuyer sur droite. Quand t'atteins le... Oh, j'ai eu le mythe. Ok, bah faut juste appuyer sur droite, hein, quand tu touches le sol. Pour monter de ouf. Ok. Un peu spécial, mais bon. On a eu de la viande. Il va y avoir de la viande sur les murs. Mega Speed Race. Ah, on l'a déjà eu celui-là. Oui, c'est celui-là, là. Avoid Cars. Celui-là, j'ai pas compris la dernière fois. Avec haut droite, R2, speed up avec triangle. J'ai pas compris celui-là. Oula, c'est quoi ce bordel? Oui, bah voilà, triangle. Je croyais que c'était le boost, hein, mais non, c'est pour accélérer. Putain, la vache. Ouah, ça, c'est le genre de jeu en multi, c'est imparable. Hein. En multi, c'est ultime, hein, y a pas à chier. Ah putain, faut avoir des réflexes de fou, là. Mais bizarrement, le temps, il accélère. Il décélère pas. Il est pas décroissant, tu vois ce que je veux dire? Aïe. Putain, c'est quoi ce bordel? On est immortel? Tutut. Et voilà le goal. Délit de fuite, c'est un petit peu ça. Oh putain, fallait avoir 44,50 et j'ai eu 43,78, incroyable. Vous voyez ce que tu veux dire? Je sais pas ce qu'elle va me faire dans un chrono. Building Climber, oh putain. On fait on va monter la tour Eiffel. Ok, c'est gauche-droite en alternance. En fait, c'est les contrôles alternatifs, tu vois. Soit tu joues avec L1, R1. On va essayer. Ah bah c'est pas mal, là. Oh Konami. Ouais, bah on est loin d'être dégueulasse, hein. C'est Beautiful Joe, le mec. Beautiful Joe. On était vraiment pas dégueulasse, hein. Donc soit tu jouais avec ça, soit tu jouais avec L2, R2, soit avec gauche-droite. Spider-Man. Spaceship in Warp.
On n'a que des jeux différents pour l'instant, c'est énorme. Merci, merci, Kankuro. Oh, ça a l'air dur, ce truc. O plus triangle. Et ni bouton is OK. Hé hey. Oh, quoi? Voilà, là j'ai eu, là je l'ai eu. Oh, j'ai raté. Putain, mais c'est dur ce con de jeu. En plus, quand tu te freezes... Oh putain, attendez. Mais qu'est-ce que... Mais... Yes. Ouah, c'est super dur. On n'a pas gagné, non? Si, si. Je crois qu'on a fait le truc... Ah ben non, game over. Pourtant, qualify, Mia qualify 36-50 et on a fait 36-50, donc... Bah non, il me dit que c'est pas bon, là, ce connard. Bon, tu sais quoi, j'ai quand même envie de tenter le Bishibashi mes couilles, là. L'autre, le hyper. Là, c'est le super, on va tenter l'autre. Le hyper. Voilà, celui-là, là. Brum. Bah ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait? Et c'est super dur, hein. Pour appuyer au bon moment, C'est assez costaud, je dois dire. Bishibashi with two. Bishibashi alone. Game level easy. Bon, normal. Action off. Oh, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est bon. Allez, on toast. En mode alone. Hyper mode, crazy mode. Select game and Bishibashi. C'est quoi la différence entre hyper et crazy? Crazy Frog, là. En tout cas, vous voyez, c'est un jeu totalement Karate Man. C'est un jeu totalement déjanté, hein. Press was... Oh, c'est énorme! C'est Gata Sanshiro. Carré pour frapper à gauche. Croix pour frapper au milieu. Rond pour... Ah, mais pourquoi ça se joue à deux? C'est énorme! Oh, fallait appuyer sur les deux, là. Tu vois, carré pour frapper à gauche. Oh merde, je suis dead. Il est balèze, le mec. Hein. Le computer, il est énorme. Hein. Je crois qu'on va mettre en facile. Hein. Mais là, tu vois, on est contre un computer. Oh putain, c'est super dur, là, les trois à la fois. Non, mais le mec, il fait jamais d'erreur, là. On va mettre en facile, hein, tu sais quoi. Very hard. Very easy, hein, peut-être pas. C'est dommage, il était pas mal le mec là. Ah ben voilà, Karate Man encore. Apparemment c'est fixe là, c'est marrant. Alors fais voir si ça va changer quelque chose là. Est-ce qu'il est plus balèze, moins balèze? Pour l'instant il fait pas d'erreur. Hein. Il fait pas d'erreur hein. Heureusement qu'on est en mode facile. Hein. Ah si, c'est bon. Ah merde! Salaud. Attention, ça s'accélère. Hein. Il me fait chier à se tromper, il me déconcentre. Oh! 49 partout! Crazy hyper. Heureusement que... C'est quoi ça? Bah win quand même. Ça c'est pas juste. L'arbitrage est en notre faveur. On a égalité, mais... Ah mais comme victory, c'est lui maintenant! Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est lui qui a gagné, c'est quoi ce... Cet arbitre de merde, là. Just bash the bouton. Bon, ça devrait pas être trop dur. Long queue up! Bon, là, tu me niqueras pas sur ça, hein, quand même. C'est quoi cette arnaque? C'est lui qui avait gagné! Alors qu'on était à égalité, c'est quoi cette triche? Get those burgers out. Des burgers. Oh putain, ça y est. Cooking simulator. Cooking mama. Mais j'ai pas compris c'est quoi les touches. C'est avec les boutons. Hein. Faut être rapide, je suppose. Tu vois, faut appuyer deux fois sur rond, parce que c'est à droite. Deux fois sur... Trois fois sur croix, une fois sur carré, une fois sur rond. Vous voyez? Vous avez compris.
Putain, on dirait trop Pokémon Stadium, hein. Les jeux de Pokémon Stadium, c'était énorme. Faudra qu'on le fasse en live, hein, d'ailleurs. Je reviens pas qu'on l'a pas encore fait. Dédoum. Oh, 4-3. Ah non, c'est bon, ça continue. Oh merde, quel con, j'ai appuyé une fois de trop. Faut vraiment faire gaffe, hein. Pourquoi time-out? Yosha! Eh ben on a réussi, mais de justesse. Hein. Incroyable, hein. Faudra qu'on fasse Pokémon Stadium 1 et 2. Hein. Parce que les deux étaient très bien. J'ai une préférence pour le 1, quand même. Hyper paille! Oh, un lancer de tarte à la crème. C'est quoi? Ah, mais c'est Yeti Sport! Faut bâcher la touche carrée et t'appuies sur croix pour lancer. C'est n'importe quoi. Hein. Tiens! Oui, c'est Yeti Sport, hein. C'est Turtle mes couilles. Hein. Ouais, enfin bon. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. You are throwing too early. Oh! La mariée s'est cassée la gueule. Oh, mais putain, mais... J'ai du mal à comprendre la jouabilité de Disqualifiède. J'ai du mal à comprendre la jouabilité, c'est un peu bizarre là quand même. Hein. Pourquoi elle s'est cassée la gueule cette mariée de merde là? Lui il fait pas d'erreur évidemment. L'histoire était vraiment pétée. Jamais fait le ce sur GameCube, ça manque à ma carrière vidéo ludique. Retire, salaud. Annie! Ah, Permania. Je me suis fait éliminer, c'est incroyable. Oui, bah c'est Dance Dance Revolution et tout ça, là. Press the button at the same rhythm. Oh, putain, c'est dur! Oh, mais c'est super dur! Quoi? Mais c'est super dur! Mais c'est super dur! J'ai 0 points. Mort de rire. Je comprends rien! N'importe quel bouton ou faut appuyer sur Je comprends rien. Great, j'ai 0. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Salaud. J'ai rien compris. C'est simple. Pas un passe de rappeur un peu compliqué. Bah ouais, totalement là. Carré et triangle. Carré et rond, dodge whiz, croix. Bon là c'est pas trop compliqué, je suppose. FIFA peut aller se rhabiller. Oh! Comment je les marave, j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est simple. Je faisais carré et rond en alternance, alors qu'a priori, un seul, ça suffisait. Et il a touche croix pour esquiver, ou pour tirer s'il faut. Olivier Tom. Ça tonne de plus en plus, j'espère que ça va pas tout bousiller. Ah oui, t'inquiète, hein. Press the right color from... Oh putain, Goldorak. On croise les doigts pour toi, le devil. Sinon, n'hésite pas à... Si vraiment tu sens que c'est... Putain, j'ai rien compris encore, là. Triangle, rond, mais... Triangle, croix, rond. Triangle... Mais putain, faut le faire de haut en bas. Rond, croix... N'hésite pas à pas prendre de risque, hein, si tu sens que... Croix, triangle, rond... Mais il triche, ce truc PC de merde, là. Computer de merde, là. Rond, triangle... 5-7. N'hésite pas à pas prendre de risques, hein, si tu sens que vraiment c'est trop... Ça craint. Tiens! On va essayer le mode hyper.
Pour voir ce que ça donne, tu sais quoi. Enfin, le mode mes couilles, l'autre, là. Regarde, on avait fait le mode hyper, on va essayer le mode crazy. Crazy Frog. Oh putain, c'est quoi ça? Puck attaque! C'est très starbé ce jeu. Shoot the puck into the enemy goal. Oui, bah c'est le jeu du palais, là, en mode Pong. Apparemment, il n'y a que haut et bas, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Oh putain, je les marave. Une grenouille, c'est n'importe quoi. Oh, oh, c'est quoi cette physique? 2-0 quand même. Un crabe. Oh putain. Putain, comment on est en train de le détruire. Cette vitesse. Oh, bien joué, il m'a eu. Comprends rien, ça va à 300 à l'heure. Salut Arnaud, bienvenue à toi. T'arrives au bon moment pour ce jeu de l'enfer. C'est assez énorme, je dois dire. Généralement, ça va, faudrait vraiment que ce soit l'apocalypse. Je surveille le satellite. Ok. Non, j'ai pas testé Pokémon Unite. Faut faire quoi? Faut appuyer sur quelle touche? J'appuie sur n'importe quoi! Bah, j'ai réussi apparemment, non? On est à 10 tous les deux. On va être encore à égalité, c'est lui qui va gagner, c'est ça? Ah non. J'ai rien compris! J'ai pas vu les touches, j'étais en train de vous lire, c'est de votre faute. Oh, juggler panique. J'ai pas compris la différence entre crazy et hyper. Coach the falling bottle. Avec gauche et droite, c'est ça? Carré! Attendez. Droite. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien! Qu'est-ce que c'est? Il est à 11 points! Putain, c'est quoi? C'est chaud le timing là! Je comprends rien du tout, j'appuie au pif! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est super dur! Il est à 40! Je comprends rien! Je comprends rien! Je me sens un peu malade, j'espère que ça va aller. Oui, moi aussi, t'inquiète. J'espère que ça va aller, moi aussi. Il y a des jours comme ça, on se sent un petit peu patraque, je dois dire. Moi aussi, je sais ce que c'est, t'inquiète pas. C'est un peu la misère, je dois dire. Putain, et c'est quoi? Faut courir avec la touche croix, c'est ça? Faut bourriner? Putain, c'est quoi ce bordel? Danger! Mais c'est pas juste! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est tombé l'autre con! On a gagné? J'ai rien compris une fois de plus là. Le mec il était à poil, tout va bien. Incroyable! Un bruit digne d'un karaté! La punition, je me désabo. C'est dingue, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Which one is for men? Circle the right answer? Oh! Un espèce de quiz! Et il faut entourer la bonne réponse. Oh putain, c'est quoi ce truc? 1 plus 1, 3. Faut faire des cercles, hein. Which is correct? Bah, Coras, tu joues à Mass Effect. Mais c'est quoi? Il est super rapide là! Tutut. Quel enculé! Mais c'est quoi ce bordel? J'arrive pas! Mais c'est quoi? Il triche l'ordinateur là! Mais il est super rapide! Qu'est-ce que c'est que ce jeu de brin encore? J'arrivais pas à répondre la réponse de droite! J'ai rien compris, c'est simple. Hallucinant. T'as vu ça? Ouais, j'ai pas compris là. Et j'ai essayé le stick hein, aussi, mais. Non. Salaud. Ouais. On va réessayer l'autre, tu sais quoi? C'est quoi ce bordel? Ça crache! Ça crache Bandicoot. Oh. Attendez, ça crache hein, le jeu. Émulateur. Pistachion. Salut, ouais. J'ai rien compris, c'est simple! Rien.
Ouais, du coup, faut que je refasse les touches, bien joué. Ligue, manette, alors. Triangle, carré, croix, rond, star, select, L1, L2, R1, R2. Allez, hop. Salaud. View. Allez, marathon, on recommence, bien joué. C'est hallucinant quand même, hein, t'as vu ça? Facing which way? Choose the correct way? The picture is facing. Oh, ça a l'air dur ça, hein. Ouais! Oh putain! Donc, il est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, bah c'est celui-là, là. Croix? Oui. C'est avec carré, croix et rond. Alors, il est comme ça. Oh putain! Comme ça. Comme ça. Comme, celui-là, là. Oh! Wouh! Mais là, on est tout seul, tu vois. On n'est pas contre le PC. Alors, comme ça. Oh putain, comme ça. Oh putain, je sais plus! Rond? Non, c'était carré. Ouah, c'était dur là. Comme ça. Comme ça, comme ça. De dos. Celui-là, je dirais. Ouais, c'est ça. Oh! Bah putain. Didou didoum. Ah bah tu sais quoi, c'est pas mal, hein. Encore une fois, c'est dans la même veine que Incredible Crisis. Et ce qui est drôle, c'est que tu le trouves, hein. Je me souvenais plus du nom du jeu, et j'ai tapé Games Like Incredible Crisis. Et ce qui est dingue, c'est que tu le trouves, hein. En tapant ça sur internet, c'est quoi là? Eggman. Oula, ça a l'air chaud là. Faut retaper des lettres. Ins. L'INSEE. Bien, bravo. Ça a pas l'air trop dégueulasse. X, il a gardé ma position, cet enculé. Tu vois, il te fait pas repartir du début. Voilà, on aimait bien taper AAA pour les noms dans Street Fighter et tout ça, là. Bungo. Oh. Merde. Ah merde, quel enculé. Je peux pas revenir en arrière. Ah... Mad. Ah, salaud. Apparemment, on peut pas effacer les lettres. Roll dice. Attention. Oula, c'est quoi ce bordel? Celui qui a de la meilleure valeur, c'est ça? Un panda. La valeur la plus élevée. Prends ça. Là, c'est du jeu de vitesse, là, tu peux y aller. Donc c'est forcément le 6, hein, s'il y est. Ah, c'est quoi ce bordel? Il y en a un à 7! 8, là! T'as vu ça? Ça défie les lois de la physique, c'est n'importe quoi! Un dé à 8 faces! Burger Girl énorme! La fille idéale. Sauf si elle fait 100 kilos, évidemment. Fix the burger straight up! Oh là là, ça a l'air chaud ce truc! Merde, hop. Ouais, mais il y a deux tranches de pain, c'est ridicule. Il faut les aligner, hein. Merde, là, on se fait un... Oh merde! Il est mal... c'est con. Il est mal positionné. Oh putain, la vache, c'est balèze, là. Ouais, il faut vraiment que ce soit parfaitement aligné, c'est abusé. Oh putain, ce smile est à 10 étages. Burger à 10 étages. Les burgers que tu peux pas mettre dans ta bouche, tellement il est grand. Non, comment on fait pour manger ça quand même? Bien, pas mal. L'heure de la pause, je viens d'avoir mon appareil.
Ça n'a même pas duré longtemps, alors qu'hier, 45 minutes, bien, bravo. C'est pour le live, évidemment. Bon, tu sais quoi, il est l'heure de changer de jeu, d'ailleurs. Bah, tu sais quoi, c'est pas dégueulasse, hein, je suppose. C'est pas mal. Mais c'est un peu pétage de câble, hein, attention, hein, c'est très starbé. C'est assez costaud. Bon, écoutez, petite pause, et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite, choper le numéro. Dans 2 minutes pour la suite de ce... le troisième jeu de ce live tout en folie. Allez, à de suite. Bon, nous voilà repartis. On est parti pour une petite... pour le dernier jeu. Et est-ce que ce sera plus ou moins pétage de câble que les deux premiers? J'en sais rien. Parce que celui-là aussi, a priori, il est relativement dur. J'ai jamais joué comme d'habitude, on va découvrir ensemble. C'est un roguelike, eh oui. Après le Dark Souls-like et le Incredible Crisis-like, et ben maintenant on est parti pour Curse of the Dead Gods. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. On va bien voir ce que ça donne, tu sais quoi. Attendez, je vais le mettre ici. C'est un jeu comme Hades, hein. Pas lui! Allez, on y va. Je sais pas s'il est sorti de l'Early Access. Normalement, c'était un jeu qui était en Early Access. J'ai même pas réussi à regarder en VOD. Enfin, ça peut pas être pire que les lives sur la série avec les zombies, là, comment ça s'appelle? Le jeu de Telltale. Attends. Curse of the... Curse of the DG, c'est ça. C'est ça, Walking Dead. Ça faisait partie de ses premiers lives. Hein. C'était au début, hein, vraiment. C'était assez costaud, je dois dire. J'ai zappé plein de passages, l'anecdote du fauteuil. Pas du tout mon genre de jeu non plus. Waifu sucré, merci Orozco. Je vais le regarder maintenant, sinon je vais pas y penser. J'ai regardé en accéléré 1.75. Alors attendez. Effectivement, bien joué l'Orozco. la baudruche en forme de pizza énorme. Une photo pour Devil. Attendez. Voilà, meuf plus pizza, le combo idéal. Effectivement, tu t'es pas trompé, le Orozco, bien joué. C'est du lourd, comme d'habitude. Énorme. La piscine, tout ça, c'est assez énorme. Effectivement, c'est du lourd, bien joué. J'ai pas de pizza pour elle, je peux lui proposer un hot dog, bien joué. Merci Kaiser, il faut que j'aille à la course. Pas de soucis, t'inquiète. Merci à toi Kaiser. Bonne soirée, bon week-end et à la prochaine. Merci à toi, à la prochaine. Alors, entrer dans le temple perdu, comment ça marche ce truc? Oh non, les boutons de la manette PlayStation, ils sont de retour. Le bleu, la touche croix, le vert, la touche triangle, etc. Salaud, ça me poursuit. C'est peut-être un mauvais présage, allez savoir. Merci à toi, le Kaiser. Donc on va découvrir, hein. Vraiment, je connais pas. Hein. Ça va être costaud! Nofap. Bien joué, Rico. Qu'est-ce qui m'attend dans cette tombe? Ce tombeau sera votre tombeau. Bah, on va bien voir ce que ça donne. Quoi, ce bordel? J'arrive pas à passer, là. Dude. Et enfermé. Ah. Allez, quand même.
Oula, c'est quoi ce bordel? J'ai éteint ma lampe. Éteins la lampe! Pour l'instant, on est en mode Tomb Raider. Je pensais pas revoir ce jeu. Mais moi, je l'ai découvert chez Bibi Croissant, faut croire. Ah oui, c'est vrai que c'est un roguelike, mais avec plein de malédictions, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Curse of the Dead Gods. Déjà que les malédictions dans les roguelikes, c'est relou, ben là, s'il y en a encore plus... Donc ça te donne des debuffs, tu sais, jusqu'à ce que t'aies fait tel ou tel truc, je suppose. Il y a un espèce de côté comics, là, vous voyez. Je crois que c'est ça, le délire du jeu. L'esprit de déduction. Oui, je viens de m'en rappeler. J'avais vu la vidéo preview du Bibi Croissant. Merci à toi, Arnaud. Prends soin de toi, hein. Récupère bien, le Arnaud. Bonne soirée, bon week-end. Hein. Et bonne récupération. Bon chaisier. Oh là, c'est quoi ce bordel? Lumière et obscurité. La lumière révèle les pièges cachés. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, tous les dégâts que vous subissez sont augmentés. Surveillez l'indicateur en bas de l'écran pour savoir si vous êtes dans la lumière ou l'obscurité. Ouais. Hein ? Allumez les deux bras zéro dans la salle. Non pas Guillaume la salle. C'est pas ça là ? C'est quoi ça ? C'est où les bras zéro ? C'est pas ça là ? Hein ? Ah d'accord, faut les frapper avec. Tidoum. Utilisez action d'esquive pour rapidement rouler, éviter les attaques ennemies. Chaque esquive requiert le point d'endurance avec RT. Ok, avec ça là. Bon, pour l'instant c'est le tuto, hein, donc... Et tu vois, les points d'endurance, c'est les carrés blancs en dessous du perso. Ok. Si on attaque, ça c'est carré. Hein. Et même triangle. Oh putain, attention, ça commence! Première difficulté. Oh! Ah, on a même le flingue. Ok. Tiens, prends ça, salaud. Je suis immortel. Je suis à 1000 sur 1000 encore. Je suis en mode cheat engine. En tout cas, ça répond bien. Oh là, attention. Ça répond bien, c'est déjà ça. Utiliser attaque secondaire pour tirer à distance. Ah merde, quel enculé! J'ai pas compris les icônes là qui se... À quel moment je dois tirer là? Bien. Combat avancé. C'est ça, le tir parfait, tu vois. Combo main gauche. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Maintenez l'attaque principale, relâchez pour déclencher, faut voir. Oh, je peux plus bouger par contre, attention. Prout! Aïe. Attaque secondaire relâchée au bon moment, c'est bien, mais... Tu vois, là, j'ai pas réussi, là. Enchaîner l'attaque secondaire, après une série d'attaques. Tu vois, c'est quand ça brille en blanc. Enchaîner une attaque secondaire après une série d'attaques principales pour déclencher un combo main gauche. Attendez. Ouais, ben, s'il est mort, je risque pas de le faire. Ouais, c'est ça, hein. Deux fois carré et triangle. Et croix-croix carré et triangle, et c'est parti. Ok. On est pas mal. Action parade, c'est quoi? LT. Ok, ben ça a marché là. Ouf, allez, 2 sur 2, ça commence. Ah merde. Par contre, attention, hein, la parade... Quoi, j'ai pas réussi là? Putain, c'est chaud la parade là. Quoi? Tu peux pas la conserver, hein, ta parade. Tu vois, c'est juste un truc qui dure une seconde, hein, c'est abusé. Quoi? Mais c'est super dur.
Même dans Onimusha, c'est pas aussi dur que ça. Hein. Ah, en voilà une. Bien joué. Ça la stun. Hein. Ok, bien joué. Wouh ! C'est hyper risqué, hein, la truc. L'esquive, on va pas tenter, hein, tu sais quoi. Bien, bravo. C'est quoi, ça? Oh ! L'ennemi. Salaud. Où te caches-tu, salaud? Donc, fais attention à cette histoire. Bien joué, je l'ai eu avec le truc. Fais attention à cette histoire d'ombre et lumière. Bien, un succès verrouillé, initiation. Ouais, de l'argent, du pèse. Les anneaux, chaque exploration, ouvrir. Les crânes de cristal, Indiana Jones, bien joué. On a de la monnaie. Jean Monnet. Énorme, t'as vu? C'est pas si dégueulasse, c'est quoi le problème, là? L'action de la carte pendant leurs explorations, l'agrémenter... Agrémenter notre séjour, c'est quoi? Relique, or? C'est quoi ce bordel, là? Hé! Oh! J'ai pris des dégâts. J'ai pris une relique. Donc à chaque fois tu peux choisir soit or, soit de l'argent, soit une relique, c'est ça? Ouais, je suis en mode corruption là. Les gamins de corruption. Bien joué. Diablo 2 Reforged. C'est ça. Alors, surveillez votre jauge de corruption située... Oui, justement, vu qu'on parle de ça là, FIFA. Est-ce que... je voulais te demander... Riku, tu m'avais parlé de FIFA ben 22, c'est ça, le prochain, où tu peux créer la propre équipe. Mais est-ce qu'on peut aussi créer tes propres joueurs? C'est ça la question. Je pense que oui, mais bon. Jauge de corruption, la porte, la malédiction... Non ! Sauvegarde disponible, c'est quoi ces conneries? Merde. Attention, il y a des ennemis en pagaille, là. Non, pas paga. Et merde, pourquoi c'est sombre, là? Voilà, fais pas chier, là. Oh là là, grid kill! J'ai rien compris. J'ai l'impression que c'est ce connard qui a éteint le bras zéro, là. La création, le mode carrière, modifier les joueurs, tu peux le faire dans la... Ah ! Je peux vite vérifier. Oui, c'est pas trop contraignant. Si tu peux effectivement... parce qu'au pire, on s'en fout hein, de créer notre propre équipe. On joue avec le Real. Mais avec le... Avec nous, quoi. Oui, effectivement, si on peut le faire, ça serait pas mal. Ok, merci le Riku. Ouh la vache. Ça, c'est le prix. Ouh, je peux plus revenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Oh! Oh, les dégâts colossaux. Je peux pas allumer les bras zéro là? Oh! Oh putain, j'ai cramé les autres là. Ah, parce que là, je suis en mode mes couilles, hein. Je suis en mode obscurité. Ah, c'est chaud, ce con de jeu, là, une fois n'est pas coutume. Prends ça. Ok. Bien. Relique. Ah, c'est costaud, ce truc, là. Alors, l'inventaire. Bah, c'est ça, là. Codex des guerriers, relique neutre. Ok. C'est pas évident ce truc. Hein. Ça rappelle FIFA 07, je faisais une équipe avec les pires joueurs, j'en faisais des chevaux de course en mode carrière. Bien. Oui, Diablo, quand même, je renie pas trop. Il a mal vieilli. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Mode défi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Arme.
Je suis maudit. Content, il y a eu cette cheers là où je fus. Exactement ça. Oh merde. Ça va péter. Attention. Je suis en train de tout exploser. Mais t'es sûr que je peux pas foutre le feu Oh là. Si, on voit là, hein, déjà. J'ai eu mon boss dans Dark Souls 3 aussi. Attention. Tu vois, ils éteignent le feu, là, ces connards. Allez, hop, un de moins. Ouh, putain, c'est quoi ce bordel? Il a tout pété, lui, j'ai rien compris. Salaud. C'est ok, c'est quoi qui m'a touché, là? Où te caches-tu, salaud? Putain, mais... Chier, lui. Pas facile, hein, ce con de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Des soins? Ouais? Pour l'instant, ça a rien fait, hein, Jackie. Quoi? C'est quoi ce bordel? Déjà, je peux plus allumer. Je peux plus allumer le feu. Et je suis toujours à 630, hein. J'ai demandé des soins et j'ai rien eu. Quoi ce bordel, là? Ah, voilà. Je suis maudit. Je peux pas allumer la lumière ici, là. Salaud, va. Relique, or, arme. J'ai envie d'aller là, ça m'intrigue, ce truc-là. Je l'ai fait une fois, plus jamais retouché. Le 2 Sissi. Triste flambeau. Quoi ce bordel? Regardez la lune et vous verrez le reflet du soleil. Soleil. Votre torche perd des propriétés de feu. Elle dispense une... Quoi? Mais vous ne subissez plus de dégâts supplémentaires dans les ténèbres. Bon, ben je peux plus allumer. Je suis maudit. Je peux plus allumer le feu. Alors tu vois. Et on subit plus de dégâts augmentés dans la lumière. Ah merde! Heureusement. Ça le prive. Crâne! J'ai pas tout compris au jeu, je dois bien vous l'avouer. Lui là. Le focus. Et tue un ennemi avec la lanterne. La lanterne rouge. Oh putain. Salaud. Plus là, c'est labyrinthique as fuck. Oh merde. Je me suis pris des dégâts de ouf. À cause de la lumière, ça. C'est chaud, ce con de jeu, là. Merde, il a disparu. Saloperie. On peut crever à n'importe quel moment. Ah oh, merde. Attention. Ça a pété. Voilà ça, la stat. Ça m'intéressait, ce truc, là. J'ai raté Diablo 2, un truc mort unique. Un nécro. Un druide, un souci, armure. Un déséquilibre. Prends ça. Ils ont tout cassé le jeu. Aïe! J'ai pas fait ma roulade. Donc là, t'es en train de me dire que mes stats ont augmenté. Encore heureux, j'ai envie de dire. Oula! Out! Apprendre ou à laisser. On peut en avoir qu'une seule des reliques, c'est ça? Ouais, des soins, s'il vous plaît. Je dois dire, l'image rend mieux chez toi en HD. Ah bon, il est encore en 480p, c'est quoi ces conneries? Depuis le temps, il est toujours en... Ouais, comme la dernière fois, là. Encore un autre, attention à la corruption. Je suppose.
Oui, parce qu'il y avait une histoire de fibre. Quelqu'un avait mis dans les commentaires de l'épreuve Kiwami, là. On a fait une quête avec un mec qui devait poser la fibre, la connexion, dans le jeu, dans Kiwami, c'était assez drôle. Et en fait, c'était un arnaqueur. Et il y a un mec dans les commentaires qui a dit... Ah, le mec a... L4 a retrouvé le mec qui a posé la fibre chez le Hooper. Apparemment, il y a eu un délire, là. J'ai pas compris. Apparemment, il s'est fait arnaquer. Il a essayé de poser la fibre, mais c'était du brin. Oh putain, encore une malédiction. Infestation! Certains ennemis sont patients, dissimulés dans leur hôte. Ils attendent leur heure pour attaquer une proie peu méfiante. Et tu veux pas faire apparaître des créatures additionnelles? C'est un petit peu abusé, quand même. Ça m'étonne, quand même, qu'il ait pas encore la fibre. Il est en mode Olex. Prends ça. Oh putain, attention à lui, là. Ouh. Ah, c'est ça, les ombres. Dans la nuit noire. Ah, merde, mais j'ai plus de mes couilles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Oh putain, il a tout pété, j'ai rien compris. J'ai plus d'esquive, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Chauve-souris. On voit rien dans ce con de jeu, là. Allô, le coup de la torche, c'est abusé, quand même. Oh merde, c'est quoi, ça? Ah! Oh, attention! Tu prends des dégâts gratuits, hein, dans ce jeu, c'est un petit peu abusé, quand même. Je pourrais presque rien dire, j'ai pas apprécié. FIFA, tu peux créer des joueurs sans souci, les stats seront pas très bonnes, tu peux pas modifier le... Ah, c'est dommage, ça! Tu vois? Faudrait que ce soit comme ça dans FIFA 22, sinon on le fera pas. Hein. La fibre doit arriver. J'ai pas attendu cette histoire juste repoussée. D'accord, ok. Ça ! Un de moins. Bof. Allez hop, deux de moins. Qu'est-ce qu'il y a de la plus haute ? Pourquoi pas. Chier ces ennemis là. Il se prépare à combattre l'ennemi. Ok. Je croyais que tu pouvais t'enfuir. Les tuer. Ouais. Tu vois qu'un bon stream ça change tout. Oh merde. Un stream avec un bon streamer. Oh putain. Chier ces chauves-souris là. Non, je déconne évidemment. Oh merde. Chier ces ennemis de brun là. Ça devient costaud là pour le L4. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'offrande! Chaque fois que vous interagissez, obtenir 2, 3 récompenses, l'or... Du sang! Ben, j'ai presque envie de faire une offrande d'or. J'en ai 800! Bon, celle-là, elle est très bien, évidemment, mais... J'ai presque envie de prendre celle-là. Allez, plus 10% de dégâts, hein, quand même. Hein. J'aurais voulu du soin, mais bon. Un bon streamer, salaud. Chaque jeu que les gens demandent, la réponse, c'est la fibre. Je checkerai mon FIFA 22, sera sur New, possible différent. Nous, si on doit le faire, on le fera sur PC. Hein. Inutile de vous expliquer pourquoi, bien sûr. Donc voilà. Allez, des stats. Et c'est le boss, hein, j'ai l'impression. Et on a la moitié moins des points de vie. Bien joué. Mais depuis tout à l'heure, il y a marqué sauvegarde disponible et je crois qu'on n'a pas sauvegardé une seule fois. Et hop, un petit peu d'or. Oh putain, attention à ce truc. L'or de maison du café. Avant, c'était 42, la version PC basée sur l'ancienne gen. Non ! Ah, c'est con, ça. Je préfère 42, secrète... Ouais, c'est dommage, ça. Comment ça se fait? Prout. Bien. Oh, là, on se fait marave.
se fait détruire. Dude. Oh, les dégâts, mais gratuits. Pas compris, je dois bien vous avouer. Oh, le Colt, énorme. Ouais, voilà, il est bien. Donc là, on est équipé automatiquement, c'est ça? Ce truc de brun encore, c'est pas ça que je voulais, mais bon. Pouvoir des dieux. Ouais, 500 quand même. Hein. Mais est-ce que ça sert à autre chose, l'argent? Allez, je le prends. Les PC sont trop différents d'une personne à l'autre. FIFA tourne le plus de config. Réponse à chaque fois. Oh ouais, quand même. C'est un peu naze, quand même. Oh, voilà le champion! Bonne chance, hein, pour le boss. On a que un tiers de nos points de vie, hein. C'est bidon. Et une troisième malédiction, bien joué. Et ça se termine jamais, ces malédictions de merde, là. Personne n'est plus dangereux que lorsqu'il est proche de son dernier souffle, les ennemis en vue. Votre maximum d'endu est réduit d'un point! Tue un ennemi avec une arme, restaure deux points d'endu au lieu d'un seul. Ok. Être en mode, je vais te tuer, petit con. Xalurich, chasseur de sang. Il a un pet, hein, attention. À mon avis, on va pas faire long feu. Ok. Ils ont pas l'air trop puissants, les autres, là. Attention, c'est quoi ce bordel? Eh, fais chier, il y a trois pets, là. Les chauves-souris, c'est infâme, hein, quand même. Oh, comment je l'esquive. On est pas trop mal, tu sais quoi. Des chauves-souris. Des chauves-souris, il y en a partout. Faut niquer ces pets de merde le plus vite. Ah, merde, bien joué. Oh, les dégâts. Heureusement que j'ai pris deux fois dégâts plus 10%. Et voilà, on est mort. Ah, heureusement que j'avais pris deux améliorations dégâts plus 10% quand même. On fait rien du tout en dégâts. Ok, je suppose que c'est pas mal. On s'est fait niquer au premier boss, c'est un petit peu abusé quand même. Ça aurait pu être pire. Mais le fait qu'on n'était pas full PV pour le boss, ça nous a foutu dedans. Et il faut tout recommencer, bien joué. Serre les dents, il sourit. L'argent, bien joué. L'outre-monde. Fallait bien qu'on crève un jour, hein, j'ai envie de dire. Salaud. Fouet. Oula, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est quoi cette arme? Tout, une espèce de griffe. Et voilà, et j'ai plus le flingue, maintenant j'ai un fouet. C'est bizarre, hein. Ok. Ah bon, nouveau jeu South Park? Sur mobile. Le temple du serpent. Ouais, les stats. On sait pas, espérons que non. Ok. Est-ce que si tu vas par là, oui, on peut dire qu'il y a un nouveau jeu Project Zero aussi, hein, sauf que c'est en patchy slot. Ouais, j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Pourquoi? C'est un petit peu abusé, je dois dire. En fait, quand t'es développeur de jeux vidéo et que t'as, ou éditeur et que t'annonces un nouveau jeu, il y a deux mots qui devraient être interdits. Hein. C'est sur mobile et en patchy slot. Voilà. Il y a deux mots qui devraient être interdits. C'est ceux-là. Bon bah faut tout recommencer, hein. On recommence depuis le début, c'est assez énorme. Oula, c'est quoi ce bordel? Ça fait bizarre, hein, de retourner à ça. Oh, c'est quoi ça? Tiens. Tiens. Il est pas mal le fouet, là. Aïe! Les griffes, ça a l'air un peu à chier, par contre, hein. Grid kill. Évidemment, j'ai perdu tout mon fric. Salaud. Plus DLC à la sortie. Et bonus préco, c'est ça. Project 05 est du succès. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ce serait bien.
Surtout que maintenant, c'est plus limité aux consoles Nintendo. Donc, attention à ce truc! Donc ouais, effectivement... Oh putain, c'est quoi, c'est Lamia, là? Ah, merde! Dude! Il s'est tué! Ok, au suivant. Salaud. Donc ouais, franchement... Ah, c'est différent du temple précédent, quand même. Non pas les antécédents. Ah, ça fait le café, hein, le fouet. Aïe. Et hop, un de moins. Et ça, c'est Duke de Resident Evil Village. Ah, il fait chier, il a summon un pet, là. Ah, je savais qu'il allait péter. Buter les nagas, voilà, un petit peu ça. Je le vois en démat et en boîte. Ah ouais, quand même. Pas de sortie. Ah non, c'est dommage ça, putain, font chier. Pourquoi pas de sortie en boîte en Europe et si ailleurs, la fait chier là. Si, allô. Bon là par contre je peux rien prendre. Ouais, plus 250 santé max c'est bien, mais... Mais si t'as pas d'objet de soin, ça sert à rien. Relique, là j'ai pas le choix là. Tchou! Au Japon, comme Ninja Gaiden, Legend of Mana. Oh chier. Oh merde, c'est quoi ça? Bien joué, j'avais pas vu. Ça, ça casse les couilles quand même. Ah, ils font chier avec leurs conneries là. Mais franchement, j'hésite à reprendre le jeu sur. Sur PlayStation. Hein. Mais je me dis, si c'est pour l'acheter, autant le prendre sur sur PS5. Parce que le prendre sur PS4, si c'est pour le reprendre, dans une version améliorée, entre guillemets, autant le prendre sur PS5 et pas sur PS4. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vu que j'ai pas la PS5... Dude. Le Duke. J'essaie de niquer cet abruti là. Allez hop, un de moins. Lance à plume. Non, c'est pas d'arme à deux mains, j'aime pas trop. Oula. Dude. Ah merde, saloperie. Touché cet enculé là. Ouais, il y a plus 20% dans la lumière, mais si t'en as plus... Je prends une arme. Et ouais, c'est un peu la misère, je dois dire. Et donc, elle est où ton arme, là? T'as vu, les runs sont très différentes, hein, de l'une à l'autre, à cause du fait que t'as jamais les mêmes armes. Ok, qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Encore une fois, on était avec... quoi? Une épée? Et des flingues? Putain, il y a du monde, là. Voilà, bien joué. Et là, on se retrouve avec des griffes et un fouet. Ça, c'est le bordel, là. Succès déverrouillé, cupidité. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des vagues d'ennemis ininterrompues, là? Je connais pas, lui, là. Espèce de troll. Aïe! Allez hop, un de moins. Ok. Mais le problème dans ce jeu, c'est les soins, quoi. Il y en a jamais. Ah, voilà l'arme. Smith et Wesson, Schofield. Non, le fouet, il est meilleur. Ah, mais ils ont des buffs, tu vois. 20% de chance d'infliger des dégâts de poison, etc. Tais-toi et poison! Ouais, pourquoi pas, amélioration. Jamais pris, je sais pas ce que c'est ce truc. Je le prendrai sur Steam, connaissant Tecmo, ça va encore coûter un bras. Ah merde!
Elles font chier, le bouclier. On chie ces enfoirés là. Voilà à cause de vous, regardez Tecmo. On aurait pu faire une épreuve Project Zero sur PC et mais ce sera pas le cas à cause de vous. Attention à ce truc. Le Duke. Putain, fait chier ce Duke. Le Duke of Flies. Et. Putain, les mouches, ça rigole pas, n'empêche. Quand ça pète, ça fait pas semblant. Putain, mais font chier ces mouches! Les asticots. On va faire long feu. Prout! Je connais pas cet ennemi au milieu, là. Allez, hop, un de moins. Attention à ce truc! C'est quoi ce truc? Salaud. Football Manager, c'est ça. Des centaines d'épreuves. Et à savoir, le karaoké revient. Les listes de jeux que je lui envoie, ils s'ajoutent à mon Steam. C'est vrai. J'avoue. Alors, griffe émoussée, fouet stressé. Ouais, pas mal ça, ce truc. Mais je dois quand même payer, c'est naze. Ça coûte combien là? 800! Et plus 8 en attaque quand même. Et l'arme principale, c'est une griffe, effectivement. Ok, bah là, notre fouet, il a été amélioré de ouf. Hein. Vu que je l'utilise beaucoup, le fouet, je me dis. On va le prendre. Combien? Je te comprends sur ma Xbox. Et dans la wishlist, évidemment. Merde, j'ai pas vu c'est quoi le truc. De toute façon, il est 17h. J'ai pas vu c'est quoi le machin. Le... La truc, c'était quoi, là? La malédiction. Malédiction. Bon, bah écoutez. Ça vient d'où ton tais-toi poison? Mais si, tu connais. C'est la grande vadrouille. Tu sais, c'est au début, là, il y a Bourville. C'est Bourville qui dit ça. Il est avec l'anglais, il vient de le rencontrer. Et il s'abrite dans le... Il s'abrite dans le... Il joue à ce jeu maintenant, sérieux? On est synchro, c'est énorme. Il s'abrite dans le... Chez la blonde. La... Juliette. Juliette, lève-toi, prépare du café. On lui a donné envie de jouer, ça c'est énorme. Et il se fait passer pour son mari. Et il se dispute, tu sais, quand il y a les Allemands qui viennent. Et bien il dit, tais-toi, poison! T'entends pas qu'il y a du monde, là? Faites pas attention, messieurs. Il les fait rentrer. T'inquiète, je connais par cœur, hein. Moi tu peux pas me niquer sur... Sur le corneau et la grande vadrouille, hein, y a aucun problème. Et un peu Rabbi Jacob aussi. Faudrait que je le revoie, je me souviens plus du tout. Ouais, tu verras, c'est énorme. C'est... Y a pas à chier, hein, c'est toujours aussi énorme. Bon, du coup, je vais pas te spoiler le revisionnage. Je vais arrêter de dire des répliques de... Des répliques de Python 357 Magnum. Des répliques du film. Mais vraiment, limite, je vais pas dire que je pourrais le réciter par cœur. Et non pas par cœur, Lewis ne perd jamais. Parce que c'est faux. Je serais parti pour faire tout le film. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5 répliques, 15. Et au bout d'un moment, je vais dire, ah merde, c'est quoi déjà maintenant? Je me rappelle plus. Pas tout le film, parce que t'en as qui sont... T'as des répliques, des moments qui sont plus marquants que d'autres. Mais voilà. Merci, Urosco. Bonne soirée, bon week-end à toi. Hein, et merci d'avoir été présent. À la prochaine, l'Urosco. La bêta de Back 4 Blood. Il y avait beaucoup de monde qui crachait dessus. Pourtant, j'en fais partie. J'ai testé, c'est un bon Left 4 Dead en mieux.
en mieux évolué. Ah bon? Parce que y avait l'alpha aussi. Ah, ou c'est moi là? Il y avait l'alpha, il me semble, non? Et l'alpha, c'était pas folichon, il me semble, non? Bah, je sais plus, je me rappelle plus. Tu aurais voulu l'enlever de ton esprit que tu avais réussi. On perd les vis du meuble Ikea. Ah bon? La base, hein, les meubles qui tiennent pas, tout ça. Moi aussi, c'est un peu pareil. Les 4 Dead évoluent en Back 4 Blood. Comme dans Pokémon, évidemment. Il y a vendeur à chaque début de map, des améliorations d'armes, 15 armes principales, 6 secondaires, les lançables, les supports. Ah oui, quand même. Le support de... Le support papier, évidemment. Chaque personnage a des caractéristiques propres qui apportent un bonus à l'équipe. Ah oui, quand même. Ils ont fait des trucs. Fais voir la preview de jeuxvideo.com, là. Back 4 Blood. Ça sort le 12 octobre. Hein. Bah, ils en ont pas fait. Ils ont pas fait de... Bah si, voilà, preview. Une le 17 décembre et une le 5 août. Le 27 août. Ah, ils ont mis prometteur. Donc 4 sur 5. Si nous n'avons pas eu l'occasion de nous essayer en mode PVP, qui nous propose un nettoyer, la portion PVE ne cherche pas à réinventer la formule. Ben, un petit peu quand même. Quoique assez classique dans sa forme, ce que vous avez en vue du fond pourrait cependant bien apporter un peu de fraîcheur. Ce système de cartes corrompues et surtout le back building de chaque perso. Système qui encourage les groupes à discuter et collaborer dans ce shooter coopératif qui reste toutefois très familier. Ça, c'est pas mal, le fait d'une personnalisation des persos, là, faut croire. Donc, il a déjà joué au gros succès. Back 4 Blood sera disponible dans le Game Pass. Cross-gen et cross-platform. Ok. C'est une sorte de deck builder tout au long de la partie. Tu peux en acheter de nouvelles quand tu joues et finis les maps. Je me suis bien amusé, on n'était que deux avec un inconnu. Et non pas un nain de jardin, comme d'habitude. On peut acheter des améliorations. Ok, bah écoute, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'on le fera, hein, sur PC, dans 6 mois. Soldat inconnu, évidemment. Donc ouais, honnêtement... Ah merde, j'ai oublié d'engueuler Bibi tout à l'heure. J'ai oublié de l'engueuler quand il était là. En fait, j'ai regardé sa vidéo, son live spécial 15 ans, quand il avait montré toutes les intros, sauf celle de... Bah, c'était quoi, Sport Connection, Men in Black, enfin un jeu pourri là, où il se lève et il dit « Oh, j'ai mal aux cheveux. Oh, je vais m'en souvenir de cette soirée du 31 décembre. » Et il regarde son bureau et il y a le réveil, là, tu sais, avec une musique. Il avait dit qu'il allait expliquer pourquoi il a mis cette musique. Et il a fait toutes les intros sauf celle-là. Le réveil matin, tout ça. Oh non, c'est reparti pour une nouvelle année. Eh ben, on est reparti. C'est con, je voulais avoir l'explication, là. Via Game Pass, je pense que c'est une obligation à tester. Tu le prendras, 60€ sur Steam, j'hésite perso. Pour l'instant, pas prévu. Ok. Bon, bah écoute. Et toi, Camille, tu vas l'acheter, le Back 4 Blood? On est de retour pour tout casser. Le truc que je vais vouloir garder ma progression sur des années. Je paye des jeux à 60€ sur PC. Tandis que ça sortira du Game Pass. Si vous voulez juste faire une fois les campagnes. Le Game Pass pour 5 balles. Ouais, c'est un peu le problème, hein, le dilemme. Soit tu prends sur PC et t'as aucun problème au niveau de ta progression, tu le gardes à vie, entre guillemets. Et soit tu... J'ai pas envie d'attendre. Soit tu le prends sur Game Pass, mais il... Dans 5 ans, ça se trouve, il sera plus là, quoi. Parce que, encore une fois, je l'avais dit, pourquoi il est aussi cher, c'est rare. C'est vrai que 60€, surtout pour un jeu coopératif, hein. Un jeu multi, entre guillemets.
Ils sont sortis du Game Pass moins d'un an après, ah ouais, quand même. Et honnêtement, moi, je l'ai toujours dit. S'il n'y avait pas cette histoire de jeu qui y rentre, y sort, après il revient 2 ans plus tard, après il ressort. Si les jeux disparaissaient pas du Game Pass, ce serait le truc parfait. Je l'ai déjà dit, hein, mais là... Là, le fait que t'as des jeux qui sortent... Oui, voilà, exactement. Ce serait le truc parfait. Mais là, du fait qu'il y a des jeux qui disparaissent, c'est chiant. Ouais, c'est les accords avec les éditeurs. Netflix, c'est pareil, hein. C'est naze, hein, que t'as des trucs... Moi, c'est ça que je reproche à ces services-là payants. C'est le côté temporaire du truc. Si ça sortait pas, y a aucun problème. Hein. Enfin, si ça disparaissait pas, la première société qui arrivera à faire ça aura une avance sur les autres. Netflix pourrait sortir les séries en DVD, je serais content. Ouais, c'est un peu dommage. Hein. Enfin bref. Et apparemment pour Juon Origin, c'est mort. Hein. Pour la suite, je pense que on l'aura pas. Hein. Parce que ça me semble bizarre quand même. Ça date de... Il y a quoi, 2 ans? À mon avis, il n'y aura qu'une saison. Bonne Origin, saison 2. Y aura-t-il une saison 2? Tu vois, ils en parlent tous l'année dernière. Hein, que des trucs qui datent de juillet 2020. Ouais, à mon avis, on l'aura pas. Hein. WhenNetflix.com. Énorme. Tu veux voir? It will return on 2 juillet 2021? Mais non! C'est passé. On est en... C'est quoi ce bordel? On est le 7 août. Ah, rumeur. Oui, bah tu vois que c'est faux, hein, pauvre con. Chier du brin! Non mais c'est un fake ce truc. Ils disent qu'il y a 10 épisodes et qu'ils sont tous sortis le 2 juillet, c'est pas possible. Non, c'est un fait que je le saurais. Bon, enfin bref. Tu devrais pouvoir commander une série en un clic. C'est plus intéressant pour Netflix que tu payes tous les mois qu'une fois 30€. Eh oui, c'est un peu le problème, je dois dire. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir été présent pour ce live tout en folie, avec du fail, du fun, comme d'habitude. Des jeux... tous plus différents les uns que les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouvelles aventures. Et bonne soirée, bon week-end à vous. Merci à vous d'avoir été présents pour ce live. Et on verra bien ce que je vous aurai réservé, comme d'habitude, pour le prochain. Merci à vous, les gens. Et on est reparti pour de nouvelles aventures, hein, t'inquiète. Le cap des 15 ans bientôt passé. Ce sera le 17 septembre. On est parti pour de 15 à 20. On va bien voir si on sera là pour les 20 ans. On commence la pause. Je viens de vérifier une seule... C'est ça. Ok, merci. Bon allez, merci pour l'info, Rico. Merci à vous. À la semaine prochaine, bon week-end et même jour, même heure, à samedi prochain. Allez, à plus.